woman. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Saber Simulator parce qu'il va y avoir la Thanksgiving et du coup il y a le boss turquel, le boss poulet. Oh j'adore ce boss, il est délire de chez délire. Attends, on va faire les récompenses. Merde, j'ai pas mis l'autoclic, j'appuie sur la touche pour l'autoclic mais en vrai je l'ai pas. Alors attends, il va falloir que je mette... Oh putain, ça augmente vite quand même hein. Donc du coup il y a une île à découvrir, alors je suppose que c'est l'œuf pour les cuisses de poulet. Alors, je suis désolée si vous entendez le clic-clic. Je vais utiliser la... Enfin, j'ai équipé l'autoclic après. Mais je pense pas que le feu... Ah, quoique, peut-être que si, il est en bas. Peut-être que j'ai pas fait gaffe, j'en sais rien du tout. Parce que ça voudrait dire que ce serait pour ceux qui ont tout découvert seulement, sinon... Ah, et puis après tout, moi, de mon côté, je m'en fous. Mais bon, c'est plutôt dommage pour les autres, quoi, si c'est le cas. Mais bon, là, je vous avoue que... Bon, je commence à avoir une crampe au doigt, là, quand même. Quand même, j'aimerais bien avoir l'autoclic. Mais bon, au moins, là, tu vois, j'ai quand même pas mal niveau récompense. N'empêche, avant, ça faisait un par un les récompenses. Et maintenant, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et ça, je trouve ça méga, giga délire. Parce que c'est vrai qu'avant, on galérait pour les œufs d'événements, etc. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'on a la dose. Même quand tu récupérais un par un que tu farmais, putain, ça durait une éternité. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Moi, j'adore. J'adore. Et puis, c'est cool qu'il ait fait enfin une mise à jour. Le seul truc que je reproche au créateur du jeu, c'est qu'il change pas le titre, c'est tout. Qu'on est toujours sur Noël. Bah tu vas me dire pour le Noël de se passer au moins de cette année, je voulais dire au moins bah il aura rien à faire quoi. Au moins c'est fait. Ah attends. Donc attends, on a un œuf ici à 100, mais je pense que l'œuf qui a tout là-haut, parce que j'avais une île à découvrir, sûrement que c'est un œuf mais à 200 ou 300, un truc du genre. Ah attends, on va se téléporter. On va se téléporter et on va aller découvrir la prochaine île. Hein. Vas-y, c'est parti. On y go. Hop, hop. Donc déjà, ça va être tout violet. En tout cas, j'aime bien cette couleur. J'aime bien tout ce qui est mauve, violet, rose. Enfin, j'adore. Surtout quand c'est un peu irisé. Tu sais, les couleurs indigo. Les couleurs indigo, je trouve ça tellement magnifique. Attends, hop. Voilà, parfait. Ah, j'ai quand même un peu peur du prix parce que j'ai peur que ça descende quand même assez vite là les poulets. Ah, ça m'a pas repris les sauts. Non. Entre temps j'ai équipé l'autoclic, comme ça on va pouvoir farmer un maximum. Donc attends, du coup c'est parti, on saute. Cette fois-ci c'est la bonne. Alors attends, je vais faire gaffe hein, histoire de bien reprendre mes sauts. Voilà, nickel. On va y aller tranquillou. On va y aller en mode pépère. Ok, alors attends. Oh, c'est bon. C'était chaud patate, mais c'est bon. Hop, voilà, parfait. J'aimerais tellement quand même qu'il y ait plus de sauts. Parce que bon, bah, être bloqué en saut, vu tout ce qu'il y a à grimper. Vas-y, on arrive à la plateforme. Hop, on saute. Oh, j'ai tellement trop hâte de découvrir le prix. Mais attends, je vais pas y aller trop vite parce que c'est un coup à ce que je me foire et que du coup je retombe de tout en bas. Donc j'ai vraiment pas envie. Vas-y, là, on devrait y arriver. Attends, j'allais sur cette plateforme déjà. Voilà, tranquillou. Et là, du coup, ça devrait être bon. Donc, du coup, attends, c'est quoi le prix? Ah, c'est en couronne? C'est en couronne, d'accord, ok. Ah, moi, je pensais que ce serait en poulet, quoi. Bah, trop cool. Bah, attends, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en premier découvrir, du coup, ces œufs-là. Et puis après, on va découvrir les œufs de la Thanksgiving. Alors, juste, est-ce que... Bon, attends, je peux supprimer quelques trucs qui ne me servent pas, du coup. Genre, ceux-là, en fait, ils ne me servent pas. Et je crois que ça, c'est des pêtes lunaires que je dois vous donner. Donc, écoutez, on va les garder, ceux-là. Donc, du coup, attends, je vais vous donner que les golden. Les simples, on va les supprimer. Voilà, parfait. Parfait, hop. Et là c'est parti, du coup je mets l'autoclic. Alors attends, on va voir du coup le look des pets. Est-ce que je vais avoir aussi le pet lunaire dès le début? Vas-y. En tout cas ils sont délire niveau design. Bon là pour l'instant j'ai pas de pet lunaire. Bon tu vas me dire je commence hein, je peux pas non plus tout avoir dès le début. Là quand même faut pas trop demander au jeu. Oh le style. Je sais que je vais le répéter à chaque vidéo, mais vraiment, Saber Simulator, niveau style des pets, mais punaise! Ils sont tellement délires, mais j'adore! J'adore. Puis alors, le style, là, pour la Thanksgiving, à mon avis, ça va être délire. Là, pour l'instant, j'ai pas plus de chance que ça, hein. Oh! Fallait que je dise ça pour découvrir un premier pet lunaire cool! Cool. Donc, on regardera ses stats après, parce qu'on sait jamais, ça se trouve, je vais peut-être en avoir un deuxième, hein, on sait jamais. Pourquoi pas en shiny? Ou ceux d'après?
Moi, je suis toujours négocié avec le jeu, hein, ça change pas. Hein. À chaque fois, Moustacho veut négocier. Vas-y, lance les négociations, là. Je suis chaud patate, là. En vrai, il y a une question que je me suis jamais posée, c'est est-ce que dans Cyber Simulator, t'as des pets secrets? En vrai, je me suis jamais posé cette question. Ah, attends, déjà, on va tout faire shiny, voilà. Je vais supprimer tous les pets et après, on va découvrir, du coup, le premier pet lunaire qu'on a droppé. Pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir d'autres pets lunaires. J'espère qu'au prochain tour, je vais avoir au moins un deuxième pet lunaire. Ce serait cool. En golden, ce serait délire, quand même. Ce serait délire. Je sais pas s'il a diminué les chances de les avoir en shiny ou si c'était vraiment la dernière fois que j'ai eu une chance de malade. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu en shiny. Hein. Là, pour l'instant, c'est un petit peu foutu. Du coup, niveau stats, il fait 7237. Et lui, je sais plus combien il faisait. Même lui, quand même, il est assez pété. Mais ouais, je sais plus combien il faisait, lui. Donc, à mon avis, ça doit pas être très très long. Parce que à chaque fois, les stats ne sont pas énormes au niveau de la différence d'un œuf à un autre. Donc... ça m'étonnerait pas qu'il soit pas très loin des 7000. Oh bah cool, j'en ai un deuxième. Bah vas-y, raboule hein. Tant qu'à faire, moi j'aimerais bien avoir tous les pets lunaires en shiny hein, c'est... T'as mon avis, si tu drops le dernier en shiny, ça doit avoir des stats mais de malade. Si jamais je drop en shiny, je crois que je reste choquée à vie quoi. À mon avis, c'est impossible, mais bon, à mon avis, il n'y a que ceux qui sont chanceux. Moi, j'ai pas assez de chance encore pour dropper le dernier en shiny. Je vous avoue que moi, le rêve que j'adorerais réaliser dans Cyber Simulator, c'est en fait d'avoir que des pets lunaires en rainbow. Mais à mon avis, là, ça doit te prendre une méga giga éternité. Mais vraiment, à mon avis, une fois que t'as les pets en lunaire en rainbow, ça doit dépoter au niveau des stats. Alors, peut-être pas le premier, mais le deuxième et troisième pet lunaire, je pense que ça vaut plus le coup. Et ouais, franchement, à mon avis, ça doit être méga giga pété. Mais avant d'y arriver, voilà quoi, c'est un peu chaud patate quoi. Bon du coup, j'ai droppé plusieurs fois le premier pet lunaire et je l'ai droppé aussi en golden, donc on va pouvoir comparer. Mais juste là, j'en peux plus, j'ai trop envie d'aller ouvrir l'œuf en fait de l'événement Thanksgiving. Pour la bonne et simple raison, c'est que généralement, les pets des événements, ils sont beaucoup plus forts que les pets des œufs normaux. Donc, enfin, en tout cas, c'est généralement hein, l'habitude. Enfin, après, peut-être que ça a changé, j'en sais rien, parce que bon, avec Cyber Simulator, je sais jamais. Mais en tout cas, bah, j'ai quand même envie d'aller ouvrir. Donc, tu vas me dire, j'ai pas énormément non plus de poulet. Juste, enfin de cuisses de poulet. Juste, du coup, lui, il me fait 10 855. Et lui, ouais, voilà, on a gagné que 200. Donc voilà, c'est pas énorme non plus au point de, voilà, quoi. Alors, attends, on va aller du coup au Main Island. Est-ce que, déjà, il y a le truc poulet? Ok, il y est pas. Il y est pas. Mais bon, c'est parti. Écoutez, on espère avoir de la chance. J'aimerais réellement dropper un pet lunaire. Ce serait vraiment super, super cool. Ok, pour l'instant, j'ai quand même celui à 4%, c'est pas dégueulasse. Alors, je suis désolée, mon internet lag, c'est vraiment le temps que j'arrive à trouver l'endroit où la box se plaît le mieux. Non ! Donc, je disais, c'est vraiment le temps qu'on trouve l'endroit où la box se plaît le mieux. Et parce qu'avec le déménagement, voilà, il faut qu'on range les affaires, il faut qu'on monte des meubles. Enfin, voilà, il y en a vraiment pas mal de choses à faire. En plus, je suis en train de tourner le vlog aussi. Faut que je fasse les vidéos. Et puis, en plus, là, faut que j'aille faire des courses. Enfin, voilà, c'est un petit peu chaud patate en ce moment. Hein. Là, je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais du coup, on va réussir à trouver l'endroit pour la box. Hein, là, c'est promis. Et pour l'instant, voilà, j'ai pas de pète lumière. Voilà, voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les stats de celui à 4% pour voir si ça équivaut à un pet lunaire ou pas, parce que ce serait plutôt une bonne nouvelle dans ces cas-là. Ça voudrait dire que les pets lunaires, ils sont vraiment top. Alors là, on est à... on est quand même 1000 en dessous par rapport aux pets lunaires, quand même. Je pense quand même que ils peuvent être pétés. Sincèrement, je pense que les pets lunaires peuvent être pétés. Ça revient dans combien de temps? 2 minutes 40. Et bah écoutez, en attendant, je vais ouvrir un petit peu des œufs du dernier monde. Et puis bah, on va attendre le boss turquet, là, un truc du genre. Et comme ça, bah, on pourra farmer d'autres œufs. Ah, attends, je viens de voir qu'on a des nouvelles auras à acheter. Donc, bah écoutez, on les achète. Hop, et la dernière, voilà, nickel. Donc, du coup, on passe de 21,5 à 22, de 9 à 9,4, de 7 à 7,3 et de 5 à 5,2. Voilà, c'est pas dégueulasse. Au niveau des pets, bah il y en a pas d'autres. Par contre, comme d'habitude, on va quand même faire le tour parce qu'on sait jamais. Oh! Bah voilà! Bah voilà, ça se comprend mieux maintenant. Oh, des lits! Et au niveau des coups aussi? Oh, trop cool! Oh, trop cool! Ah, oh, je suis super contente!
Enfin, et on peut faire plus de coups. Oh, délire. Ah, non, mais là, je suis méga giga contente. Ah, tu vas me dire, j'aurais pu faire tout acheter. Mais je suis trop méga giga contente. Oh, trop cool, on a des nouveaux sauts et tout. Oh, délire. Oh, j'ai trop hâte qu'elle bosse, là. C'est bon, ça, les chouchoubottes. J'en profite comme d'habitude pour vous faire à tous de gros 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 bisous. Merci encore une fois à vous tous pour vos petits mots, etc. J'essaie aussi, malgré le déménagement, de répondre à un maximum d'abonnés. Vous êtes vraiment vraiment adorables. Donc vraiment plein de gros bisous à vous. Vous êtes trop mignons. C'est trop trop mignon. Vraiment, merci parce que vous savez même pas à quel point ça nous touche énormément. Et vraiment un milliard de fois, merci, 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 merci. Vas-y, il y a le boss turc. Eh, vas-y, là, on va faire un max de coups. Oh, c'est trop cool. Mais je suis méga giga contente, là. Je suis vraiment méga giga contente de pouvoir avoir plus de coups. Là, franchement, on va pouvoir ouvrir pas mal d'œufs, je pense. Parce que du coup, je fais le boss au complet. Donc, à mon avis, je vais recevoir beaucoup plus que bah, quand j'ai commencé l'épisode. Donc, franchement, c'est délire. Alors, de ce que j'ai compris, demain, il a 12 ans, donc je te fais un joyeux... Enfin, je te dis un joyeux anniversaire en avance. Alors, je crois que c'est Loïc, c'est ça? C'est Loïc, son nom? Attends, j'arrive pas à voir, parce que du coup, il y a la bubule de conversation. Mais non, tous les cas, je te fais plein de gros bisous et joyeux anniversaire à toi en avance. Vas-y, je recevrai une quantité monumentale de cuisses de poulet. Oh, mais c'est trop cool. Je suis tellement, mais tellement méga giga heureuse de faire plus de coups. C'est tellement trop cool. Vas-y, on va s'ouvrir l'œuf, du coup. Je sais pas s'il me reste de l'espace ou pas. Je suppose que oui, quand même. Au pire, c'est pas grave. Je ferai tout en shiny. Du coup, ça me rajoutera de l'espace. Mais je suis trop un pet lunaire. Eh, vas-y, tant qu'à faire, là, Cyber Simulator. Vas-y, passe-moi un pet lunaire, là, dans cet œuf-là. Au moins le premier, allez quoi. Au moins qu'on voyait à quoi il ressemble. Ah, ça descend tellement vite, c'est affreux. C'est affreux, affreux. Ça fait mal au cœur même. Va falloir que je fasse quand même beaucoup de boss. Hein, parce que avant que j'ai le dernier pet lunaire, à mon avis, ça va prendre du temps. Déjà, si j'arrive à avoir le premier pet lunaire, c'est déjà exceptionnel. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Vas-y, 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 vas-y. Après, j'ai plus beaucoup d'œufs. Plus beaucoup d'argent, pardon. Oh, encore deux fois et après bah c'est foutu. Une dernière fois et après je pourrais ouvrir qu'un seul œuf. Oh dommage. Oh trop dommage. Bon bah tant pis. Bon et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Cyber Simulator. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.